Quoi, vous me croyez pas? C'est parce que je suis gros, c'est ça? Yo tout le monde, c'est Squeezie, aujourd'hui on se retrouve sur Sous Sport. Comme vous l'avez deviné dans cette intro, Cartman a finalement voulu prendre ma place. Oui, c'était Cartman, ce n'était pas moi, non. Et voici notre perso, Monsieur Moche, montre-toi, n'aie pas honte. Il est horrible, j'ai vraiment fait un perso vraiment dégueulasse. Alors ta mère t'a demandé d'aller au lit, alors vas-y avant d'être puni. Oui maman, pardon. Voilà, notre petite chambre, bien tranquille, avec notre seul ami, le poisson rouge. Bon, faut qu'on aille se coucher, couchons-nous. Bonne nuit ma petite boule de gomme. Oh mon dieu, il dort. Gnome voleur de slip. Pourquoi des gnomes voleurs de slip? Ah, je crois qu'on les a vus. Oh merde, il est réveillé. Oh là, les gnomes tentent de me tuer, mais j'hallucine. Bon, on va leur montrer de quoi on est capable. Je propose d'envoyer une toupie. Voilà, parfait. Bande de gnomes de merde. Merde, il est trop gros, on ne peut pas le battre. Donc ce sorcier veut nous rétrécir. Est-ce qu'on en parle du style du sorcier? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il vient d'une autre époque? Oui! Je suis plus fort que vous! Et en plus, en pyjama, je vais arriver à vous battre! C'est bon, on les a eu. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on récupère nos slips au moins, hein? Est-ce qu'on récupère nos slips? Niveau 10! Oh, on a passé un petit niveau! Bon, pour vous faire un petit brief sur le jeu, voilà, c'est des combats au tour par tour. On ramasse de l'argent et des équipements sur les ennemis qu'on a tués, ou alors on peut en acheter à des vendeurs. On débloque des aptitudes et des points d'amélioration. Par exemple, là, ah, je peux débloquer une nouvelle aptitude, plaie d'Egypte. Là, on part sur un équipement plutôt pas mal. On est un gnome, mais un gnome du SWAT! Juste là, une petite sacoche. Et ben voilà! Hein? Et on peut même s'envoler avec des oreilles pareilles! Y'a pas de problème! Oh mais les oreilles, mais monsieur moche, mais t'es encore plus moche! Je pensais pas ça possible. Ah! Mais qu'est-ce que t'as toi? Mais je t'attaque moi! Le juif Jetsu, attention, c'est impressionnant. Surtout dans la part de ce personnage. C'est carrément pas crédible. Et hop, il est mort! Bon, c'est un rat en même temps. On peut pas dire que c'est quelque chose d'incroyable, on a tué un rat. Bon. Je trouve parfois qu'on devrait lui dire la vérité. Mais s'il a réellement ce don, il le découvrira par lui-même de toute façon. Je suis lessivé. Est-ce que tu veux bien me faire l'amour? Bien sûr, ma chérie. Mais non, mais c'est sérieux ça. Avec cette tête de psychopathe. Je suis le céréal killer aux oreilles décollées, je vais te tuer. Arrête de te moquer, bâtard. Arrêtez les bruits de fond dégueulasses. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux des sous? Hein? Eh ben, t'auras mon épée dans ton museau. Alors, j'ai pas précisé, mais il y a plusieurs classes. Il y a guerrier, voleur, mage et juif. Et moi, j'ai pris juif. Hop là, terminé. Allez. J'ai cru qu'il y avait des bruits chelous dans ma chambre, mais ça vient de ce putain de jeu. J'étais en train de me dire, qui copule dans mon appartement, hein? Faites attention, j'ai un morceau de câble non électrique, hein? Arrêtez de copuler. Ok, une petite porte. Oh mais non, mais je vais me retrouver dans la chambre. Mais voilà, mais putain. Ah, retirez ça de mon arrière-plan. Ah, j'ai retrouvé les gnomes. C'est l'heure du duel. Mais comment voulez-vous que je me concentre sur le combat? Ça va pas du tout. Allez, c'est qui le patron? Hein? Papa, maman, arrêtez! Oh, y'a le sorcier! Mais regardez! Arrête, téton! Arrête de te balancer au-dessus de moi! What? C'est quoi cette attaque? C'est quoi ça? Je me fais attaquer par des testicules, quoi. Arrête, téton, ça m'énerve! Et voilà, il est mort, sorcier voleur de slip. Rends-moi mon slip! D'accord, c'est bon, tu as gagné, prends ça. Tu pourras rétrécir ou grandir à ton gré. Qu'est-ce que c'est que cette scène? Vous imaginez si un petit de 8 ans et demi vole le jeu à ses parents et tombe sur cette scène? Maman, il y a deux grandes choses qui l'ont écrasé. Retrouvez Kyle. Je vais retrouver Kyle. Ils sont en mode il s'est rien passé, bande de menteurs, bah je vous ai vu. Ça va Stan? Mais normalement il y a un allié au choix qui nous accompagne. Salut. C'est pas moi. Salut. Donc le mec, je lui pèse le bonhomme de neige et il me demande en ami. Parce que oui, on a une sorte de mur Facebook un peu. Oh là oh là. Très bien. Bon, bah en gros, il y a une guerre qui se prépare. Hein. Regardez-le lui sur son trône. Arrête de te la péter. Bon là, on doit trouver des filles. On doit recruter des filles pour aller à la guerre. Où sont les filles? Vogol. Je m'impose. Lâche ta fille à nouveau si tu veux pas avoir d'ennui. Quoi? Je comprends pas, en plus je suis super beau gosse, pourquoi elle réagisse comme ça? Soyons francs, hein. Cette fille là, est-ce qu'elle est pas pire que mon perso physiquement? Bien sûr que si. Donc là il y a Stan avec nous qui nous aide pour le combat. Et on peut même changer de pote. Alors on a qui d'autre là? Ouh, Jimmy, ça peut être marrant. Jouer le bruit marron, tant redouté, desserra le gros colon de tous ceux qui l'entendent. Qu'est-ce que c'est que ça? What? Qu'est-ce qu'il fait? T'aimes tabasser les filles? Bah qui m'a agressé? Désolé. Salut le chat. Oh non! Oh, non, ce n'est pas moi, Jimmy! Ce n'est pas moi qui ai fait ça! Bon, est-ce que je peux recruter les filles? Tu veux parler aux filles maintenant? Oui?
Écoute bien à nouveau, d'effroyables rumeurs circulent en ville alléguant que notre bonne copine Ali Nelson aurait fréquenté la clinique d'avortement. Si Monica s'est fait draguer, ça prouve alors que c'est une salope manipulatrice. Approche-toi de cette mission et les princesses se pencheront sur ta requête. Ok. Arrête! Non! Non! J'ai envie de prendre Cartman avec moi. Comment ça va, gros là? Moni, Monica! Elle est où? Ah, la voici. Enfin voilà, j'ai eu ton profil Facebook de long en large et je pense que tu es un garçon très intéressant. Ouh, salope! On le savait, petite salope de manipulatrice hypocrite. Heureusement qu'on a envoyé le nouveau t'espionner, pas vrai les filles? Alors comme ça, on veut baiser ma petite amie? Non? Ok, c'est parti, on se le fait. Coupe Zizi! Hop là! Ça c'est fait. On n'en parle plus. Yeah! Et hop! Bon, je suis de retour. Je veux retourner voir les filles pour leur dire ce que j'ai vu. Non! Non, ne maquillez pas! C'est bon, tu es sûr de vouloir porter ça? Mais bien sûr, quel est le problème? Oui, c'en est un, oui! Ok, nouveau, infiltre-toi dans la clinique d'avortement et trouve la salle des archives. Prends en photo tous les dossiers! Bonjour, vous êtes là pour un avortement? Tout ira bien, n'ayez crainte, la première fois est toujours la plus stressante. Salle A, deuxième porte à gauche. Très bien! Oh non, Cartman! Il peut pas m'accompagner. Bonjour, je suis docteur Love Minou. Bon, sur cette chaise, ça ne sera pas long. Dis, tu es un peu jeune pour un avortement, non? Ne t'inquiète pas, on a un siège rehausseur. Mais pas m'avorter! Bien, détends-toi, on va t'extraire cette saloperie. En voiture, Simone. Ah, mais non, mais je suis un homme! Tu as cramé l'aspirateur, il va falloir que je répare ce truc. Il a voulu m'avorter! C'est bon, j'ai les fringues! Perso, si ce médecin veut m'aider, je lui dirai non. Accès autorisé, merci docteur. Ouais! Fouillez les dossiers de 2013. Un espion. Oula! Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oh mon dieu, le FBI est intervenu! Ok, très bien, il y a un truc carrément chelou qui se passe dans cette clinique. Moi, je me retrouve au milieu de tout ça. Et lui, encore plus, qu'est-ce qu'il fait là? Très bien, la clinique est maintenant infectée par le virus zombie nazi. Ok, c'est carrément le bordel. Bon, bah, on va passer dans le petit trou, hein? Hop là! Des rats zombies nazis. Hop là! Moins de rats! Ah, mais c'est quoi ça, mon gars? Il y a un fœtus? Il y a plus de fœtus? Mais quoi, mais il y a même des gnomes nazis? À la plus! Ils avaient des slips sur eux encore. Arrêtez de voler des slips, bordel! Ok, donc là, attention, parce que on peut faire des pets. Voilà, exactement comme ça. J'en ai marre de voir des pieds au-dessus de moi. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, il fait style qui se fait avorter. Je suis juste là pour une opération. Ah, vous voilà, docteur, c'est quand vous voulez. Voyons si c'est un vrai docteur, fais-lui un avortement. Dépêche. Ah, mais pourquoi? Pourquoi faire un avortement? Ah, c'est horrible. Ah... Puis il va choper une maladie là avec le nombre de boutons que j'ai sur la tronche. J'ai aspiré quoi? Ah, je l'ai pris, c'est... Très bien. Non! Ah merde, j'ai perdu parce que je l'ai aspiré... C'est balls? Il l'a fait! Mais qu'est-ce que j'ai aspiré? Absolument rien! Sortez immédiatement! Très bien, il y a du zombie nazi. Oh mon dieu! Mais non! Mais non! Des fœtus! Je suis là pour toi, mon pote! Butters! Je vois que ces bébés sont en train de sucer son sang. Oui, c'est un peu ça. On va s'enfuir tranquillement et les laisser tuer les gens. Non! Des bébés fœtus! Combat engagé. Plaie d'Égypte. Hop, 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 hop. Marteau du chaos. Blam! Oh là là, on les a mis mal. Ils sont morts. Regardez-les en position fœtale. What? Ouh! C'est quoi ça, mon gars? Oh mon dieu! Il est immense! Mais le bébé, il a carrément 4 ans et demi! Faut la faire un jujitsu pour l'assommer. J'espère au moins que ça va vraiment l'assommer. Non, il est immunisé, l'enfoiré de merde! Professeur K.O. Aide-nous! Viens nous en aide! Hop! Ok, on a un bouclier, c'est pas mal. Tiens! On l'a eu! Un petit boss là? Enfin, un gros boss, la taille de sa tête. Qu'est-ce qu'il nous donne? Rien! Ah, faut peut-être casser son crâne. Je veux un butin! Donne-moi des équipements. Dans sa tête, il y avait la place pour mettre une armurerie, mais lâche rien! Tant pis, je m'en vais. Bonjour! N'entrez pas dans ce bâtiment! Bonne journée! Dégage! Et voilà les gens, j'espère que cette petite vidéo sur ce spack vous aura plu parce que vous m'avez demandé encore de faire des vidéos sur ce jeu et j'avoue que j'en avais envie. Dites tous au revoir à Monsieur Moche qui est d'ailleurs devenu Madame Moche actuellement. Arrête! Ah! Si le jeu vous intéresse, il est dispo sur PS3, Xbox 360 et PC. J'ai oublié de le dire, comme à chaque vidéo j'oublie toujours de dire sur quoi est le jeu auquel je joue. J'espère que ça vous aura plu. Dégage! Mais putain! Ciao tout le monde, peace, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Je pars super méga vite. Ah, ça va trop vite, ça va trop vite, ça va trop vite. Maman, ramène-moi mes toilettes!